Salut! Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu shopping où je vais aller chercher des vêtements. J'avais envie de vous filmer ça parce que voilà, souvent je présente mes vidéos, mais j'ai pas non plus beaucoup de vidéos dehors. J'en ai quelques-uns, j'ai des vlogs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des vlogs qui s'est fait fou, que j'ai tourné ici. En tout cas, je vais vous présenter aujourd'hui ce que je vais aller chercher. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Là il y a une boutique et là il y a une boutique aussi. Ceux qui reconnaissent, c'est Scavini. Donc Scavini qui fait du sur-mesure et aussi du prêt-à-porter. Par exemple là j'ai un pantalon chez eux qui est en prêt-à-porter, c'est le pantalon de la collab. Tiens d'ailleurs je vais expliquer un peu comment je suis habillé. Un pantalon chez Scavini, une lettre froide, fresco, etc. Un t-shirt simple, des baskets et une veste en jean. Comme cette journée un peu shopping, je bouge un peu partout, j'ai une valise à traîner et tout. C'est une tenue un peu décontracte, mais voilà, qui reste quand même un peu habillée, veste un peu longue, pantalon habillé, etc. Donc voilà, on va pas aller à la mesure, malheureusement. Du moins, c'est pas pour maintenant. Mais j'ai un truc à aller chercher au niveau du prêt-à-porter. Comme il fait beau, j'ai quand même besoin de quelques petites pièces d'été. Donc voilà, j'ai décidé de m'en prendre une là-bas et puis vous verrez ce que c'est. Tu faisais des tests de pantalon. Ouais, j'avais tout ajusté. Non, c'est un gris. Oui, c'était un gris. Après, du coup, comme moi je travaille dans un bureau, il faut du classique. Et ça, c'est plus pour tous les jours. Et comme j'ai envie de changer un peu les jeans, parce que le jean c'est génial, mais après un certain âge, on se rend compte qu'il faut renouveler et aller sur autre chose. Un bon chino de qualité. Ouais, voilà, c'est ça. Comme la marque Zins. Là, c'est des pantalons qui valent, on est à 500-600 euros de pantalon. C'est très cher. Mais pour le coup, Scavini, c'est un bon compromis entre du haut de gamme et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Donc, je regarde souvent des vidéos que tu fais. Et du coup, vous avez pris quoi? Moi, j'ai pris celui-là. Celui-là. Du coup, c'était à choisir entre les deux, c'est ça? D'abord, la taille et la coupe. D'accord. Et après, c'est les couleurs. Celui-là, je l'ai fait avec un costume. Donc, j'ai la veste aussi. Mais en fait, le problème qui me frustre, moi, c'est que j'ai pris un truc en fresco complètement qui pour pas tenir chaud. Il est tout padding et il est fermé collé. Je te laisse le regarder, c'est un goût. Bah après, c'est pas très bien, le padding. Enfin, c'est un compromis, quoi. Je suis de chaud. Bon, j'ai gagné une veste. Je lui ai piqué son pantalon aussi. Non, je vais pas l'essayer quand même. 2 seconds later. Elle m'a trop bien. Que ça casse pas. Ça casse légèrement. Je vais redescendre un petit peu. Un petit peu comme mon collègue. C'est ça. Et très bien. Dédicace à Maxandre. Maxandre qui m'a prêté son blazer, qui me va bien. Alors que, voilà, belle surprise, son blazer en fresco qui lui donne trop chaud à cause du thermocollage et du padding. Mais au moins, ça me donne une belle veste pour la vidéo. Que je vais la garder avec le short parce que j'ai des vestes en jean qui va peut-être pas le faire avec le short. Et comme on est chez Scavini, j'ai l'impression que j'ai fait un effort vu que j'ai sa veste. Mais bon, dès que je repars, je lui rends. Ou pas. Oui, c'est pas super. D'accord, ouf. Je vais te montrer, je vais te faire un effort. Je t'en prie, il y a le 38 et le 40. Ce sera un peu pour le coup. Je mets ça là et puis. Je vais des clients m'occuper en mesure. D'ailleurs, en 40 stages de banque, je vais m'assurer éventuellement. Pas mal en 38.
30 en fait. J'ai reçu un 38 et un 40. Donc là j'essaie le 38. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'essayer le 40. Et parce que bah, il m'a l'air déjà assez bien, c'est pas trop proche de la jambe, pas trop large. Le 40 serait trop large, sachant que moi j'ai, comme j'ai la taille très fine. Moi j'ai beaucoup de, d'espace ici et du coup je suis même obligé de tirer les pattes à fond, les pattes de serrage. Heureusement qu'il y a des pattes de serrage, mais ouais, ça part sur le 38 en tout cas. Bah, il a des beaux détails et tout, donc ça change un peu du short habituel. Et je vais voir ce que ça donne avec la... ce qu'eux ils en pensent aussi. Et que je règle la longueur et ce sera parfait. Donc là apparemment c'est d'autres shorts. Donc genre un olive, un peu un vert petit quoi. Un blanc, franchement le blanc je l'aime trop. Mais j'ai déjà un short blanc qui est un peu différent. Enfin il est très large et tout, taille haute etc. Un short vintage de l'armée. Mais du coup j'ai pas envie de faire doublon, avoir deux shorts blancs. Donc je suis parti sur un classique short bleu. Mais finalement en vrai visuellement celui qui m'attire le plus c'était quand même le blanc. Il y a un peu de circe-cœur, des circe-cœur de coton. Donc, ça, j'ai un peu comme ça. Donc, très cool, frais l'été. Et là, c'est des super lins qui sont super beaux. Donc, une grosse ceinture gourka, donc assez marquée. Mais ouais, en tout cas, il y a vraiment l'embarras du choix pour les shorts. Du beau coton, différents tissages de coton, du lin. Je crois que c'est des mélanges coton-lin. Donc franchement, ouais, c'est vraiment cool. Puis ils ont toujours leur pantalon, leur collection printemps-été, là. Donc des laines lin soie, des pantalons, c'est vraiment des tueries. Donc ouais, je pense qu'il y a des mélas, ils font vraiment fort. Ils ont de plus en plus de coupes, de tissus, et c'est vraiment cool. On va voir ça après. Napolitaine, tu peux la demander super comme ça. Donc, bah, moi, je me connais, j'ai demandé une cigarette en vrai. Une cigarette ouais. Celles-là, elles vont bien. Après, t'en as des plus grosses encore. Hein. Ouais. Mais moi, là, déjà, c'est énorme. Sympa, tu vois. Le bureau de Julien où il fait la couture d'un ouais. Ah, comment il fait? Comment on appelle ça? Il fait la boutonnière. Ouais, il fait les ouais, j'ai une milanaise. La milanaise, exactement. Je pourrais être vendeur, je pourrais être conseiller. Moi. D'ailleurs, on filme sans son autorisation. Là. Je pense pas comme si il était pas habitué aux caméras. Mais Quentin est au courant. Ouais, Quentin est au courant, mais je crois qu'Iban avait. Tu sais, quand il. Ivan, pardon. Je me suis permis. Bon, déjà, c'est mieux. Ouais. Il faut au moins ça. Après, c'est une question de goût aussi. C'était bien les porter un peu court ou pas, je ne sais pas. Là, c'est juste au-dessus du genou. Alors franchement, ça reste un peu classique. Ouais. C'est bien. Après, on peut faire encore un peu plus court pour dévoiler un tout petit peu de début de cuisse. Tout petit peu plus. Ouais. Comme ça, à peu près. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Ok, je te fais confiance dessus. Bon, c'est aussi tes goûts. Hein. Bah, moi, ça me va. Bon, on va faire, au lieu de faire moins 6, on va faire moins 7,5. Hein, okay. Moins 8, moins 7,5, avec leur verre de 4. Au visuel, longueur, j'entends, ça fera ça, avec évidemment un peu plus de largeur, ouais, puis bouger. Okay. Je pense que c'est pas mal, parce que après, si on y va trop loin, comme tu as quand même les cuisses développées, ouais. Peut-être que ça va faire une cuisse très ronde. Mmh. C'est vrai. Ouais, je pense et tu perds un peu en élégance après. Oui, c'est sûr. Enfin, après, tu me dis, hein, c'est les goûts de chacun. Eh bien, tu peux te changer, et je vais noter ta retouche. Ok. Je vais envoyer retouche dès lundi. Ok, top. Impeccable, merci pour tout. Je te dis à plus tard. Salut, ouais. Bonne journée. Ouais. Salut les gars. Salut. Allez, bon week-end. Merci. Je te souhaite, merci pour tout, une très bonne fin de journée. Je suis déçu de ne pas partir avec le blazer, mais c'est fait. Merci pour tout. Allez, à la prochaine. Salut. Bonjour. Placement de produit, du coup, on sent les chaînes américaines, ouais. Les chaînes en plein milieu de la vidéo, bam, gros placement. Je vais vous parler de VPN. Non, VPN, non, mais c'est bon.